Amen. Amen. Nous savons que le Seigneur nous a fait grâce. C'est lui qui nous a accordé ce temps aujourd'hui, le 21 septembre 2021. Et notre sujet dans lequel nous traitons, nous sommes en train de marcher avec. L'ouverture du livre scellé des sept sceaux. Ça parle sur l'ouverture du livre scellé des sept sceaux. Tangaki déjà lobby par la grâce de Dieu. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Hier, par la grâce de Dieu, on avait lu Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Yango peto otanga kalelo. C'est la même lecture que nous allons effectuer aujourd'hui. Apocalypse 6e, le verset 1er et le verset 2e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici Paris, un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Oyo amataki yango azalaki na litimbo. Une couronne lui fit donner. Motole moko epesamelaki ye. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Akendaki kati na elonga pe po na kolonga. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Amen. Comprendre la loi de Moïse. Nous insistons beaucoup sur le peuple de Dieu afin de comprendre la loi de Moïse. La loi est comme un exemple. La loi est prise comme étant un exemple. Là, si Corinthiens lisais 1 Corinthiens chapitre 10, Makambo et Komelaki Bango, ils ont servi d'exemple. Là-bas, il est écrit que tout ce qui leur est arrivé nous sert d'exemple. La loi est comme un pédagogue qui conduit jusqu'à Christ. La loi est comme un pédagogue qui nous amène jusqu'à, qui amène jusqu'à Christ. Amen. Tu vois l'étoile que les mages avaient vue. Ils les avaient amenés jusque là où se trouvait Christ. C'est la loi, c'est un conducteur. Cela est comme la loi, comme étant un conducteur. Donc, pas à Christ. C'est lui qui amène jusqu'à Christ. Donc, si tu lisais la loi, si tu lisais la loi, pas à Christ. Il faut que cela t'amène jusqu'à Christ. La loi est comme aussi prophétie. La loi est aussi comme la prophétie. Et alors, le Seigneur a dit qu'il y a Matthieu 5. C'est de la manière dont le Seigneur avait parlé cela dans Matthieu 5. À partir du verset 17 à 18. À partir du verset 17 à 18. Il avait dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais plutôt pour l'accomplir. Il avait dit que tant que subsistera le ciel et la terre. Aucun iota de l'écriture. Amen. Et que l'on voit jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, aucun iota ou aucun petit point, aucune petite lettre de l'alphabet ne sortira jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quand il avait jusqu'à ce que tout soit accompli. La loi est la prophétie. C'est-à-dire la loi et la prophétie. Donc pour comprendre ma kambo beleti na apocalypse, il faut ta na loi bongo ya komona ngo po yé na apocalypse. Donc pour comprendre beaucoup de choses de la donc de la Bible, il faut commencer à partir du début jusque même en apocalypse. Pour ba témoignage ou établir vérité, pour prendre
nombre de, de témoignages et que tu établisses la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. Comme la vérité, c'est Christ. La loi est lobby dans Deutéronome 13. La loi dit dans Deutéronome chapitre 13. Pas qu'on établit, pas qu'on s'en a jugement sur une chose, sur la déposition de deux ou de trois témoins. On établira les jugements sur une chose que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Bon, ceux qui basent deux, trois témoins, de balobi, la chose est vraie. Quand on prendra deux ou trois témoins, c'est alors qu'on affirmera que la chose est vraie. Comme Jésus a la vérité. Oui. Yangonde asali lokola Yesu aza solo. Comme Jésus est la vérité. Nde asali yete ezalana la loi, les psaumes et les prophètes comme trois témoins. C'est pourquoi il a fait en sorte que la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus comme trois témoins. Après, il y a vérité. Après cela, c'est maintenant lui la vérité qui vient. C'est ce que Jésus avait fait. Alors, le col à tous en alliance, toujours prêcher la vérité. Et comme nous sommes dans cette alliance où nous prêchons la vérité, avant de présenter vérité en haut bien, avant que nous ne puissions présenter cette vérité-là bien, il faut qu'il y ait deux ou trois témoignages. Il faut aussi partir par deux ou trois témoignages. Et tout soit qui aussi, Hébreux 10, verset 1. C'est pourquoi nous avions utilisé Hébreux chapitre 10, au verset 1er. Balobi, la loi possède l'ombre des biens à venir. Amen. Donc, makambo et koyaka. Donc, les choses qui vont venir. Donc si tu faisais la lecture de la loi, tu verras ces choses-là là-bas. C'est pourquoi tu verras par rapport à la loi. Dieu leur avait dit. Comme nous sommes les matins, c'est pourquoi j'évoque toujours les Écritures. On avait lu dans Deutéronome chapitre 33. Verset 4. Si tu prenais le verset 4. L'écriture et le biboui. L'écriture nous dit ceci. Moïse nous a donné la loi. Amen. Maintenant, va définir loi place. Maintenant, là-bas, on a défini cette loi-là. Qui est l'héritage. Amen. Donc, loi est celle qui héritage. Qui veut dire que la loi n'était rien d'autre que l'héritage. Que Dieu bénisse. Amen. Or, l'héritage, on s'en va faire ça qui a dans ces jardins d'Eden. Amen. Or, l'héritage que Dieu avait donné à Adam, c'était les jardins d'Eden. Et dans quatre jardins d'Eden, on a désobéi. C'est qu'ils n'ont pas kangaki. Et dans les jardins d'Eden, là, quand Adam fit désobéi, Dieu avait fermé ces jardins. La loi qui est l'héritage. Cette loi-là qui est l'héritage. Du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël. Moïse a fait ça qui est. Que Moïse leur avait donné. Cette loi-là, elle qui est aussi. Scellé, fermé. Cette loi également était scellée, fermée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et toujours comprendre dans mon temps où il y en a biso. Et nous comprenons cela à notre temps. Maintenant, Zambé a comme il faut aller dans la carte à loi ou à naoué, ça veut dire aussi héritage. Maintenant, Dieu est montré dans cette loi là qui était considérée comme un héritage. Que ceux qui va obéir, que lorsqu'ils obéiront, à Kofongola. Makolo. Il ouvrira plutôt le ciel. Donc, obéissance et fongola kalikolo. Qui veut dire l'obéissance ouvre le ciel. Et fongola kapenase. Et ouvre aussi la terre. Wana otanga wana Deutéronome 28. Là, tu liras cela dans Deutéronome chapitre 28. Nazui cette écriture. Même dans Deutéronome 11, Zolo Bayango. Je prends cette écriture, même dans Deutéronome 11, il parle de cela. Maintenant, Deutéronome 28. Je prends directement Deutéronome 28. Alobi d'abord, ici quand tu t'en as. Il dit d'abord là où que nous avions lu. Dans verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bokonzi wana ezane montagne. Ce royaume, cette royauté-là, c'est ça la montagne. La supériorité.
Amen. Vous allez dans les hôtels. Être dans les hôtels. Là, au moni Israël, Azaki, ce qui a obéi, Zamba présenté, Azaneti, Nasiel, Neti, gloire. Là, tu verras que lorsqu'Israël obéissait, Dieu le représentait comme quelqu'un qui était au ciel. Dans et Zaneti, dans Lamentation 2. C'est comme dans Lamentation chapitre 2. Tant qu'à désobéir, Zamba quitte ici. Quand Israël avait désobéi, Dieu l'avait rabaissé. N'attends qu'il Lamentation de Mbango par la grâce de Dieu, verset 1er. J'ai lu Lamentation chapitre 2, le verset 1. Ah oui, Israël qui tant qu'Israël a désobéi. Là, c'était lorsqu'Israël avait désobéi. Dans Lamentation chapitre 2. Après Jérémie, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Lamentation de Jérémie. Et quoi? Et bongo nini. Le Seigneur, dans sa colère, a couvert des nuages la fille de Sion. Nkolo nakati na kelenaye, ajipaki na lipata, baseka na Siona. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Akitisa ki uto na likolo na mabele bolamu na Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied. Akanisa kite enyatelo na makolo na ye. Enyatelo makolo na ye ki Israël. Amen. Au jour de sa colère. Na makolo na kanda na ye. Donc tant où Israël a désobéi, saka. Lorsqu'Israël désobéit, il a précipité du ciel sur la terre. Amen. Donc, tant qu'on est en obéissance, lorsqu'Israël est dans l'obéissance, Deutéronome 21, ils ont s'accomplir. Deutéronome 28, verset 1er, ils ont s'accomplir. Deutéronome 28, le verset 1er s'accomplit. Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations. Nzambe akopesa yo bokozi likolo na mabota nyonso. Dans Deutéronome 28, verset 1. Au Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Sécurité, c'est la vie de Zali Kolo na bango. La supériorité veut dire tu es au-dessus de tous. Tant qu'autocité et Lamentation 2, verset 1. A quitté si quand tu désobéis, c'est ça Lamentation chapitre 2, verset 1. Dieu te rabaisse. Je pense que maman que soit besoin de comprendre dans votre âme. Je pense que vous êtes en train de saisir vraiment les écrits. Oyonza Bazaosana Israël Azako répété de Adam. Tout ce que Dieu faisait avec Israël, il ne faisait que répéter Adam. Azota c'est que Adam n'a tant où obéissait qu'il a nous. Il montre que Adam, en ce moment, il avait obéi. Donc, il avait obéi. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Voilà pourquoi j'avais montré que quand Jésus marchait sur les eaux, tant que Pierre a dit que si c'est toi, ordonne que je marche. Et au moment où Pierre lui avait dit que si c'est toi réellement, ordonne que je marche aussi. Pierre, attends, Pierre avait commencé à marcher sur mais les après, eaux. Mais après, après, il a commencé à être submergé par les eaux. Moi, j'accepte toujours qu'il avait effectué 7 pas sur les eaux. Selon 7 jours, il y a Danan. En rapport avec les 7 jours d'Adam. La supériorité. Donc, il avait la supériorité. Parce que moi, ils ont dit ça aussi, il était beau qu'il y. Et les eaux parlent aussi du monde. Mais Dieu avait permis quand même que Pierre marche quand même sur les eaux. Sur l'ordre de l'Éternel, Nicolas Maï. Amen. C'était par l'ordre de l'Éternel qu'il marcha sur les eaux. Après, il a commencé à être supérieur. Il n'était que signe d'Adam. Donc, parce que les eaux, c'est le monde aussi. Amen. Autant pour la Nicolas, c'est la supériorité. Marcher sur les eaux parle de la supériorité. Adam, Zalaki, la supériorité pendant 7 jours. Amen. Mais le 8e jour. Mais le 8e jour d'Adam, à son existence, où est le 14e jour depuis la création, qui était le 14e jour depuis la création, Adam, tout le monde n'est pas Pierre. Adam, nous voyons sa répétition en Pierre. Abandikosita. Il a commencé à être submergé par les eaux. Et c'est exactement aussi Israël. C'est de la même manière qu'Israël aussi. Quand il désobéit, lorsqu'il désobéit, a quitté. Il est écroulé. Dieu bénisse. Amen. Mais ceux qui a obéi. Mais lorsqu'il obéit, Azana autorité, Nicolo. Il détenait l'autorité au-dessus de tous. Et le même sur la montagne. Donc il était sur la montagne. Et bien la loi où est livre, où est héritage. On lui avait dit dans la loi qui était son héritage. Il faut l'ouvrir. À côté de Deutéronome 20.
Il lira aussi Deutéronome chapitre 20. Tango o se presente na combat. Quand tu te présenteras au combat, et qu'on a ennemi avec des chevaux, et que tu verras que ton ennemi s'approche avec des chevaux, il faut savoir que lorsqu'on donnait à Israël cette loi, on lui faisait déjà voir que quand tu es dans une bonne situation, avec Dieu, tu as la suprématie. Même si tu verrais devant toi des nombreux chevaux, toi, souviens-toi seulement de la manière dont Dieu t'avait sauvé de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Nous voyons l'agneau pascal en Égypte. Ensuite, oui, après délivrance de l'agneau pascal, après la délivrance de l'agneau pascal, on a vu des chevaux de Pharaon. Donc quand tu vois ces chevaux-là, regarde aussi là-bas comment ces chevaux-là étaient. Tu vois des chevaux. Mais la mer rouge, ça va délivrer Israël. Mais à la mer rouge où il y avait des chevaux, Dieu aussi l'avait délivré. Si tu vois des chevaux ici, regarde de l'autre côté, le témoignage là va t'aider à comprendre. C'est ce que nous faisons aussi. Lorsque nous voyons les chevaux en Apocalypse 6, nous voyons aussi la manière dont Dieu avait classé les choses avant. Nous remarquons que Pharaon n'avait jamais attrapé même un enfant d'Israël. Après que l'agneau a été sacrifié, après le sacrifice de l'agneau, et nous sommes partis dans Exode chapitre 24. Moïse a suivi toutes les paroles combien on a livré. Nous avions vu Moïse qui a pris toutes les paroles de l'Éternel et les a rédigées dans un livre. Testament. Et Hébreux 9 appelle ce livre-là comme étant un testament. Ce qui parlait de l'héritage. C'est ce que Moïse avait rédigé. Mais après comment? Et après avoir écrit, il cherchait les adorateurs. Mais il faut que tu saches que dans sa tête, il était dans la recherche des adorateurs. Parce que l'Éternel a dit que dans le combat. Car l'Éternel lui avait dit à la montagne. Va, Yébisa Aaron, Nadab Naï Biou, Na 70 anciens, va monter. Va et dis à Aaron et ses deux fils, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens, de monter vers moi. Tango Bakoya Bako se prosterner sur la montagne, mais au loin. Lorsqu'ils viendront à la montagne, ils se prosterneront, mais au loin. Seul toi, Dieu, qu'on ne s'approchait pas à l'Éternel. Seul Moïse devait s'approcher auprès de l'Éternel. Mais ils sont dans l'Écriture. Mais si tu lis l'Écriture bien, Tango Bako monter qui na montagne. Lorsqu'ils étaient montés à la montagne, Moïse avait obéi. C'est que Bangona sur la montagne. C'est que tout le monde à la mais montagne. Moïse a quitté une place éternelle à Télémaque. Seul Moïse était parti jusqu'auprès de l'Éternel. C'est pourquoi je t'avais parlé de Jean chapitre 16. Je vais au Père. Amen. Donc tant que Bangona maintenant baso taraboye. Maintenant, lorsque et tout cela, regardez Moïse. Moïse allait chez l'Éternel. Moïse est en train de partir vers l'Éternel et tout ça la montagne. Moïse est allé type éternel à Zali. Moïse partait jusque vers l'Éternel. Mais Bangona peut pas s'en angomba. Mais Aaron. Et tout c'était sur la montagne Aaron. Deux enfants d'Aaron. Même les deux fils d'Aaron. Deux sacrificateurs. Même 70 sacrificateurs. Quand il voyait Moïse. Donc les anciens, 70 anciens. Les 70 anciens. Oh, sacrificateurs, il y a Exode 19, verset 24. Qui étaient des sacrificateurs dans Exode 19, verset 24. Lorsqu'il regardait maintenant. Il ne voyait plus Moïse. Il voyait que l'Éternel. Il ne voyait que l'Éternel. C'est pourquoi je dis ceci. Dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ a dit que je vais au Père. Jésus avait dit que j'irai vers le Père. Donc je pars dans les pères. Je vais au marché. C'est comme quelqu'un qui dit je vais au marché. Donc je pars dans les marchés. Bien à l'imanga. Donc je pars, mais je serai à l'intérieur. C'est le mouvement de Moïse d'Exode 24. C'est le mouvement de Moïse d'Exode 24. Moïse, par contre, sur la montagne, mettant Moïse à s'approcher de l'Éternel,
Bango balobi, ils virent l'Éternel seulement. Amen. Et tous étaient à la montagne, mais quand ils voient Moïse qui partait là-bas, la Bible dit que et tout ce qui était resté là virent l'Éternel seulement. Alors, mais ils virent l'Éternel et Moïse. Non. On n'a pas dit qu'ils virent l'Éternel et Moïse à côté. Ils non. Ils virent l'Éternel. Ils ont vu sous ses pieds agit comme ouvrage à sa fille. Et sous l'épée de l'Éternel, c'était semblable à l'ouvrage et de sa fille. Cela veut dire quoi? L'agneau est Dieu Azaïe Moko. Amen. Quand il disait que je veux faire mon père, donc il rentre dans la position du père parce qu'il était sorti, puis il retourne. C'est ce qui se trouve dans Exode 24. Moïse, wana, c'est le testateur, il y a comme un livre. Moïse, là, c'est le testateur qui avait rédigé les livres. Dieu avait rédigé ses commandements sur des pierres, toutes les paroles qui se trouvaient sur des pierres, Moïse les avait prises et les avait mis dans les livres. Et nous avions dit que Moïse parler du testateur. Mais dans son programme de chercher les adorateurs, lorsqu'il était descendu, la manière dont Moïse avait rédigé toutes les paroles dans les livres, c'était aussi disant que la manière dont Dieu avait donné sa parole à Adam, à Abraham, à tous les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Yangonde le c'est ça le signe là. En Exode 24. Dans Exode 24. Moïse na Aaron tant nous ambassenga qui est na Exode 19 verset 24. Quand tu avais demandé à Moïse et Aaron comme tu leur avais demandé d'Exode 19. Na commenté. Démonté. Tolobaki que Aaron azaraki comme prophète. Nous avions dit Moïse. Nous avions dit qu'Aaron était comme les prophètes de Moïse. Aaron était comme tous les prophètes de l'ancienne alliance. Et Aaron représentait tous les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que les prophètes de l'ancienne alliance aussi montaient au conseil de Dieu. Ils montaient à la montagne. Mais la montagne était scellée. Mais cette montagne-là était cependant scellée. Natawana ya loi parce que Makila et Kitagi n'anotaient. C'était au temps-là de la loi car le sang n'était pas encore versé. Mais Jérémie 23, ils ont dit c'est bien que les prophètes assistaient au conseil de l'Éternel. Jérémie 23 nous montre que tous les prophètes assistaient au conseil de l'Éternel. Et ces prophètes, et les monabango d'Exode 19, Nzamba scellé montagne, mais Nzamba Yébisi Moïse monte avec Aaron. Ces prophètes-là, dans les signes d'Exode chapitre 19, Dieu avait déjà scellé la montagne, mais il dit à Moïse de monter avec Aaron. Je fais des répétitions comme ça pour que tu aies des précisions en toi. Et quand Israël a les livres ouverts par rapport à la loi. Et lorsqu'Israël voyait les livres ouverts en rapport avec la loi. Donc, livre ouvert, il y a un livre ouvert par rapport à la nation. Les livres ouverts, Dieu montrait la supériorité d'Israël par rapport aux nations. Quand l'obéissance est allée, lorsqu'il y a l'obéissance, mais quand il y a un livre ouvert, à comment on a chevaux et qu'il y a un ennemi pour combattre. Dans ce même livre ouvert, Israël verra des chevaux qui viendront comme ses ennemis pour les combattre. Mais à l'obéissance, les chevaux n'y sont comme on a talent de délivrance des ennemis qui sont en Égypte. Mais Dieu lui avait dit que tous les chevaux dont tu verras là-bas, regarde comme référence la victoire dont tu t'avais donné déjà. Voilà pourquoi nous voyons l'Égypte. Lorsque l'agneau était mort, après l'agneau, Israël a mis la boum. Après la mort de l'agneau, Israël sort de l'esclavage. Mais Pharaon a armé naïe balandi encore Israël. Pharaon, avec son armée, ont poursuivi encore Israël. Naba chevaux. Avec des chevaux. Mais qu'est-ce que Israël ou Azomon a chevaux lelo Azotarakuna? Mais qu'est-ce qu'Israël qui voit des chevaux aujourd'hui? Regarde là-bas. Azor remarqué que bah chevaux nion soya Pharaon et Zinda na mer rouge. Il voit là-bas que tous les chevaux de Pharaon étaient engloutis par les eaux de la mer rouge. Mais na tambouana vainqueur na terre mobimba, c'était Pharaon. Mais en ce temps-là, le vainqueur de toute la terre c'était Pharaon. Parce qu'Azalaki la puissante nation.
Parce qu'il était la puissante nation. Il était la nation qui était au-dessus de toutes les autres nations. Égypte. L'Égypte. Même la sagesse et la science à Boy. Même dans la sagesse de la science comme ça. En ce temps-là, c'était l'Égypte. Tu vois la mathématique que les gens étudient là. Trigonométrie. Des trigonométries. Et bandan Égypte. Avait commencé en Égypte. L'élément où est basé les lagana physique, pi égal à 3,14. Oui. Et ça l'a découvert la pyramide à l'Égypte. C'était découvert à la pyramide en Égypte. Mais et d'accord, les sciences nous sont. Science, nous sommes. Aujourd'hui, toutes ces formules-là de l'Égypte aident les sciences d'aujourd'hui. Dans les études de calcul de beaucoup de situations. De la manière dont les médecins égyptiens empaumaient la personne ou bien les cadavres. Quelqu'un peut faire même des siècles, il est toujours en bon état. La médecine d'aujourd'hui ne parvient pas à appliquer la même formule qu'appliquaient les médecins de l'Égypte. Donc, quand vous école est une puissante nation, lorsqu'une nation est considérée comme étant une puissante nation, même dans la science, cette nation aura toujours la supériorité d'autres nations sur la terre. La technologie n'avance. Même dans leur technologie. Les années c'est comme aujourd'hui. Ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Amen. Est-ce que tu suis très bien? Parce que ça me quoi ma corne en Apocalypse 13. Parce que c'est l'une des cornes en Apocalypse chapitre. En Apocalypse 13 verset 11. En Apocalypse 13 11. Parce que l'agneau en a ça deux cornes. Parce que cet agneau là avait deux cornes. Mais corne moko puissance wana moko politique des États-Unis d'Amérique. Cette puissante, cette corne qui parle d'une puissante nation, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais cette bête là, c'est Église catholique romaine. Cette Babylone la grande. Il faut que l'on parle comme pour la Bible. Il faut parler ça tranquillement parce que c'est la Bible. Koluka kimia na fausteté. Il faut pas chercher la paix à négocier avec la fausseté. Hein, koluka kimia na fausteté. Ne négocie pas avec la fausseté. Oui, la fausseté, témoignez-vous qu'ils ont fausseté. La fausseté, faut établir clairement que ça, c'est de la fausseté. Jean-Baptiste, à mon avis, Hérode, dans autant de temps, Hérodias, moi, si abattu. Jean-Baptiste voyait Hérode qui marchait avec Hérodias, qui était la femme de son frère. Il n'avait pas fermé sa bouche, que non, c'est une autorité, il faut du respect. Ce n'est pas ta femme. Il lui avait dit clairement que ce n'est pas ta femme. Écoutez, qui est prison. Oui, ça lui avait coûté la prison. Car Jésus avait dit que de la même manière qu'on me traite, on vous traitera de la même manière. Comment tu revis ça aujourd'hui? Le monde et inakangai Jésus pour na condamner kaba œuvre nangu. Jésus a dit que le monde me hait parce que je condamne leurs œuvres. Binope, vous également. Akoyina bino. On va vous haïr. Au moins, le monde des olingayo. Mais tu verras que le monde t'aime. Ce qu'on condamne kaba œuvre nayango. Si tu condamnes seulement ses œuvres, Akoyina. Le monde va te haïr. Aux années, tu es en France. Tu es par exemple en France. Au plein milieu, au salamoussala. Tu es en train de bosser. Aux autres témoigner que l'homosexualité est diabolique. Tu témoignes très bien que l'homosexualité c'est diabolique. N'a évité ce qui va voler dans le monde. On verra si on va t'aimer dans le monde. Amen. On va te licencier. On va te licencier. Là, c'est persécuté à cause de Christ. Parce que tu as témoigné la vérité. Amen. Est-ce que tu écouterais bien? Ils sont condamnés non seulement qu'ils font. Ils sont condamnés non seulement qu'ils les font. Et ça, Romains 1, verset 32. C'est Romains chapitre 1, au verset 32. D'autres personnes sont condamnées dans des. C'est pas dire que ce sont ceux-là qui commettent des erreurs. Mais ils approuvent ce qu'ils font. Amen.
Ils sont donc inexcusables. Amen. C'est ça, Romains 1. C'est ça, Romains chapitre 1. Namoni nazana katineti yaba homosexuel, ba pédé, banin. Vous voyez, quand vous êtes dans un monde où il y a des homosexuels, des pédés, tous ces gens-là. Mais na kangi mundo konazolo ba vérité. Je ferme ma bouche et je ne parle pas de la vérité. À la place, n'anga yozala. Regardez ma place où vous voyez. Romains 1, verset 32. Romains 1, le verset 32e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu. Atako baebi kosambi sambananzambe. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Bazali koloba. Polele makambo oyo yakufa bao bazolo bango bao bazo sala makambo yango. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Ba oyo yo bozola na malamwa. Vous suivez très bien ces gens. Je pense que vous aussi ma lecture bien. Oui. Donc misala batu bazo sala ya mabe et salaire na monini liwa. Donc les mauvaises œuvres ont pour salaire la mort. Mais bisoutou yebi ke bazo sala et nous ça mabe. Mais nous nous savons que ces gens-là ce qu'ils font c'est mauvais. Pourquoi? Ni kamonini ko mela biso tanto témoigner vérité. Qu'est-ce qui va nous arriver que lorsque nous ne témoignons pas la vérité? Non seulement qu'ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Regarde ces choses. Na verset 26. Verset maintenant 26e de Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Yangotina nzambe akabi bango na baposa ya kotuka. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Poete basi na bango babongoli lolenge akosalela oyo ezalaka na oyo ebongite. Donc basi bakomi bazobala na basi na basi. Les femmes sont devenues des lesbiennes. Et de même les hommes. Et les hommes commettent l'homosexualité. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Nous connaissons les jugements de ces gens-là et tout ce qu'ils font, ce qui va leur arriver. Il y a un verset 32. C'est ça le verset 32. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Est-ce que tu suis très bien la parole? Donc Dieu a condamné le monde par notre enseignement. Dieu nous appelle à condamner les œuvres du monde par notre enseignement. Des œuvres mauvaises. Des mauvaises œuvres. On doit juger ça par rapport à la parole. Amen. Et ça te offend à Kimia. Témoigne la parole. C'est pas dire que tu fermes la bouche, il faut témoigner la parole. Nakati nango plusieurs va vous la délivrer. Et dans cela, plusieurs seront délivrés. Nazo tali sa que. Je montre que. Pharaon a mataki na cheval. Pharaon était monté sur le cheval. Il avait une couronne de la domination de toute la terre. Mais il partait pour s'opposer à Israël. Aujourd'hui, vrai Israël, le vrai circoncis, c'est nous. Aujourd'hui, le vrai circoncis, le vrai israélite, c'est nous. Et 1 Corinthiens 5, verset 7, 8, il le dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen.
Donc après que Christ a immolé, après l'immolation de Christ, signe wana ezalo lenge livre ezala ki roulé. Donc ezala ki rouleau, Moïse a sorti makila, donc ça mena déroulé. Ce signe là pour nous est comme quand le livre dont Moïse avait rédigé les paroles de l'Éternel était fermé et quand il a déversé laissant là dessus, c'est-à-dire c'est ouvert. Donc résultat c'est qu'ils ont ouvert. Cela montre que c'est les ouvert. Les eaux sont scellées. Et les eaux sont décelées. Cela veut dire aujourd'hui grâce du Seigneur. C'est-à-dire nous avions acquis la grâce de nous Dieu. Nous verrons les chevaux. Amen. Donc nous verrons des chevaux. Parce que l'agneau pascal a délivré. Amen. Mais ces chevaux qui ont dominé, ils étaient au nom de Jésus. Amen. Ces chevaux-là ne nous domineront jamais au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous sommes dans l'Apocalypse 1, 6, verset 1 à 2. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Mais toujours, on va témoigner pour nous comprendre. Nous ne faisons que prendre leur témoignage afin de saisir le sens. Quel que soit le chevaux de Pharaon, et quel que soit les chevaux de Pharaon, Israélite a un bâti que ça cheval moko. Israël, un Israélite avait la connaissance que c'était un seul cheval. Quel que soit les élites, il y a armée, parce que Bélène, il y a un chevaux. Quel que soit l'état nombreux des élites de Pharaon qui se trouvaient sur les chevaux, Israélite a mon qui bango ni on son agati à Pharaon, kako a zaki na couronne. Un Israélite le voyait tous dans un seul cheval qui était Pharaon avec sa couronne. Et il y a moi d'autant qu'écriture en gona sous comme permettre. C'est pour cela que nous allons lire cette écriture à la fin. Quand nous lisons, nous relisons et l'enseignement rentre en vous. Verset 1 à 2. Exode 15, verset 1 à 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Nabongo Mose pebana na Israël bayemba kinoyembo oyo pona seko. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Nakoyembela seko poete ye a pafukisa ki nkembo na ye. Il a précipité dans la mer le cheval. Abwaka ki kati na mai monana mpunda atayika ka punda moko ka kanda moni zini na mai moko ka. Il n'a fait que la lecture d'un seul cheval qui était écroulé dans les eaux. Et son cavalier. Et un seul cavalier, un seul seulement. Vous avez la malade lecture la Bible. Vous suivez très bien la lecture. Les cavaliers là qu'on a vu là, c'est seulement Pharaon qui avait la couronne. Et ba chevaux nous écoute dans ta cheval là. Et tous les chevaux qui faisaient sa suite sont rentrés dans les sept chevaux de Pharaon. Nous aussi, quand nous voyons Apocalypse, nous voyons des chevaux. Mais lorsque nous chantons la victoire de l'agneau, nous voyons seulement un seul cheval. Et un seul cavalier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur soit dans mon corps. Amen. Nous allons nous tenir pour prier 2-3 minutes. Chaque fois, il faut retourner dans ces paroles que tu adresses à Dieu. Ne me soumets pas à la tentation. Amen. Alors, il avait dit de prier ainsi. Et m'abandonne afin de tomber dans les péchés. Délivre-moi de tous les pièges. Délivre-nous du mal. Il avait dit de prier de nous délivrer du mal. Ma peau est téléménga et téléménio. Tous les mal qui se sont opposés à moi, à toi. Sambe akangolayo. Que Dieu t'en délivre. Après cette victoire, parce qu'à Fongola qui déjà va sous. Il t'accorde la victoire parce qu'il avait déjà ouvert les seaux. Même s'il y a des chevaux qui chevauchent. Amen. Mais Yosan a victoire. Mais toi tu as la victoire. Car l'agneau a répandu son sang. Amen. Les grands Jida. Amen. Atalisi cri na ya munene. Il avait manifesté son cri. Et éternel Dieu tout puissant.
Tu connais le combat avec lequel l'ennemi vient nous attaquer. Yo te osani pole na solo Seigneur. C'est toi qui es la véritable lumière Seigneur. Yo te obomba kabiso di boso na bitumba ya modini. C'est toi qui nous préserve contre le combat du monde éternel. Batela ngai, batela moko na biso poto kokate. Garde-moi, garde chacun de nous car nous ne méritons pas, nous ne pouvons rien. Victoire au pesa ki biso na croix. La victoire que tu nous avais accordée à la croix. Ezala effectif et talisa ma solo. Amen. Que ta victoire soit sur chacun de nous. Que ta puissance travaille au milieu de nous. Droite puissante. Que ta droite puissante. Et délivre ma soeur. Délivre les soeurs. De toutes les œuvres mauvaises. De toutes les mauvaises œuvres. Et délivre mon frère. Délivre mon frère. Na œuvre nous sommes ma mère. De toutes les mauvaises œuvres. Que la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu et délivre ma vie. Et le ah. Tout ce qui a de mal et délivre chacun de la nous. De tous les mauvais pièges. Droite du Seigneur. Que la droite du Seigneur et fasse un travail dans l'église. Que la main puissante de Dieu et qu'elle est avec puissance. Se tienne avec puissance. Avec autorité. Avec son autorité. Et que tu sentir que tu as libéré par ton sacrifice. Et que nous sentions que nous sommes libérés au moyen de ton sacrifice. Toi, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Amen. Au soir qui les livres pour rompre les seaux. Tu avais pris les livres afin de rompre les seaux. Nous l'aimons comme Moïse, au soir qui livre à son pima qu'il a. De la même manière que Moïse avait pris les livres et aspergé les seaux. Et puis à monter dans mon montant. Puis les monter avec ça à la montagne. Le légume mon coyon sali au Dieu la réalité. De la même manière que tu as accompli cela dans la vie. Tu as vaincu tous les sauts. Tu as vaincu tous les sauts. On peut dire cette victoire à l'Église. Tu as donné cette victoire à l'Église. Te palper en mon nom de Jésus Christ. Nous voulons la palper au nom de Jésus. Fille ma pornographie. La film de pornographie. Y a quoi là ma film et ma paix. Regardez des mauvais films. T'as mon frère. Regarde mon frère. T'as mon aïeul. Délivre-lui de cela. Regarde ma soeur. Délivre-la de cela. Bon mon union sur ma masturbation. Toute vie de masturbation. Il a commis ses pénis. De se réjouir. La télémenie. Je chasse cela. La compagnie. Au nom de Jésus-Christ. L'alliance union sur ma paix et mon doumba. Toutes les mauvaises alliances d'impudique. Il y a un compo. D'impudicité. La pénanie. Je les chasse. Et si Gagnon s'est installé. Partout où s'est installé. Je chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Tous les liens sont au monde des ténèbres. Tous les liens du monde des ténèbres. Où ils ont troublé la vie à sœur. Qui trouble la vie de la sœur. La haine vis-à-vis à Batoubassara qui est mabé. La haine vis-à-vis des gens qui lui ont fait le mal. Libère son cœur. Délivre son cœur. Pessayez à mes grâces à pardonner. Donc fais-lui grâce de pardonner. Fongola monte manasale la yosa. Délivre son cœur afin de te sauver. Fais-le également dans la vie de mon frère. Que vraiment ça l'a libéré par ton œuvre. Qu'effectivement qu'il soit libéré au moyen de ton œuvre. Que la droite n'a eu tali sa manango avec autorité. Que ta droite se manifeste avec autorité. Et que la vie a sainteté à grâce et monissant. Et que la vie de sainteté de grâce se manifeste. Nazali kotele melosi ma maladie. Je m'oppose à toute maladie. Il peut peignon sur la maladie. Pouvant des maladies. Toi maladie. Yesu alonga kiyo. Christ t'a vaincu. Osa la sida. Osa la cancer. Tu sois cancer, sida. Osa la kiste. Que tu sois. Osa la pandicite. Que tu sois la pandicite. Osa la mort. Que tu sois la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Ma compagnie sont malades. Ça n'a c'est à ma tombe à Jésus. Tous les noms de toutes sortes de maladies sont sous le nom de. Je chasse au nom de Jésus Christ. Amen. C'est lui qu'on avait prévu l'opération. Toi-même, Seigneur, opère-les. L'opération sans cicatrice, ça les manavie à ma soeur et à mon frère. L'opération dont tu manifestes sans cicatrice se manifeste dans mon frère et ma soeur. C'est lui qui cherche l'enfant. Et que Bazon t'indique que l'opération ça la kiste. Et qu'on l'envoie d'aller faire d'être opéré comme il a dit. Il est dans le mariage. Je change ce kyste là en bébé au nom de Jésus Christ. Que ça soit n'importe où. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Je crois en Dieu qui change le temps et les circonstances. Amen. Oui. C'est lui qui renverse les rois et les rétablit. Que ta
votre puissante soit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te remercier on a nié sur sa vie na katira. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous allons amener à pour les amener à Kimia. C'est toi le Dieu de paix de lumière. Bon, na yeso alo kumu na Dieu. Que ton nom soit glorifié en tout. Nous allons pour tu es la lumière. Éclaire sentier mon corps à mon corps. Éclaire les sentiers de chacun. Pèse un homme dans mon corps à mon corps. Accorde la victoire à chacun de nous. Étalisama Seigneur là aujourd'hui. Cela se manifeste aujourd'hui. Que yonde aux années qu'on cambabi soit toujours. Que c'est toi qui nous conduis toujours. Place Kimia zala qui était au monde à Kimia. Là qu'il n'y avait pas de paix, que la paix soit. Mitungise Kimia et Kima. Que tout ce qui était comme soucis fuit. Oh, yo place problèmes financiers alias au Lukambango. Là où il y avait des problèmes financiers. Yo le mec qui fait connaître à Dieu tous nos besoins. Parce qu'il avait dit que faites connaître à Dieu tous vos besoins. Oh, le mec qui demandait, il vous sera donné. Tu avais dit de demander, il nous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Amen. Frappons, vous ouvrira. Amen. Et si qu'à situation difficile, les amis. Là qu'il y a des situations difficiles. Et que le bien-aimé ait un problème financier qu'il reçoive l'argent. Toi, quand ton serviteur était dans une période de sécheresse, tu l'avais nourri par des corbeaux. Tu n'as jamais changé. Amen. Au pouvoir n'a besoin. Pour voir besoin de mon bien-aimé. Qu'il voit en réalité que être en Jésus-Christ c'est une joie. Que Jésus appelle ça la solution. Que Jésus-Christ accorde des solutions. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Na pécio merci Jésus-Christ. Je te remercie Christ. Na tatorio parce que c'est malam mi. Je te loue car tu es bon. Qui m'y en a eu ça dans ma corne à mon. Que ta paix soit avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh la parole à mon corne à mon corps. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. J'ai juste un témoignage d'une minute ou deux minutes. Nazaraki, n'a invité ce qui président qui t'a vous permettre. Merci. Nazaraki côté na Kinshasa, à l'église ma bisou est sans fil. J'ai prêché à Kinshasa, à notre église des sans fil Massina. Place aussi par pasteur Tite, parce que c'est sala pour sala. Là qui se trouve le pasteur Tite et Ève là-bas. Et dans sa déclaration, nous avons dans son témoignage de Koyona Kisangani Nakabondo, Azaraki Nakista, Azaraki une femme mariée. Je faisais une déclaration en rapport avec un témoignage d'une maman qui se trouve à Kisangani. Elle avait un kyste dans les ventres. Et m'a opéré plusieurs fois pour un kyste, on a su quatre fois. La zone où on a un kyste quatre fois. On a opéré plusieurs fois les mêmes kystes. Alors il fallait pas opérer ce jour-là, tout ça. Il fallait qu'on réopère les mêmes kystes là et il fallait qu'elle paye même de l'argent. T'envoyer l'église, avec la famille Simon, à l'église à Kabondo. Et quand il était venu à l'église de Kabondo, moi j'étais derrière. À Kisangani, lorsque je prêchais là-bas. Elle m'avait trouvé là-bas. Elle m'avait demandé la prière afin que. Donc elle disait que j'irais au sal, donc à la salle d'op. Je lui avais posé simplement la question, quel est ton besoin? Elle avait dit que je cherchais un enfant. Alors je lui avais dit que je vais prier pour toi afin que le kyste là se transforme en enfant. Demain quand tu iras, ne pars pas à la salle d'op. Va là-bas à l'échographie. Qu'on regarde le kyste qu'on veut t'opérer. Ça va se transformer en bébé. Tu as besoin d'aller à l'église. Tu es venu à l'église. L'église, c'est ça ma histoire. L'église, ce ne sont pas des histoires là. Donc, c'est que tu as besoin au nom de Jésus. Amen. J'ai prié pour la maman. L'obéi et elle a bien respecté ce que je lui avais. Là, qui est de côté ma programme qui est une opération. Au lieu de partir à la salle d'op, à côté à radiographie, côté changement de direction, elle est partie à l'échographie. À qui on a? Elle arrive là-bas. Bon. Elle a payé son argent. Le type autant là, il a elle a dit, regardez-moi, vérifiez ce qui est à mon ventre. Et bah, mais qui on a fait des examens. Il y a un mouvement.
Elle a senti directement le mouvement dans les ventres. On lui a dit comment tu as absolument un enfant. Elle sort au niveau de la porte. Au sein de la porte, elle s'écria. Elle vient un autre jour. Elle a témoigné. Je viens de te passer témoigner devant l'église. Elle dit, je sens le mouvement de l'enfant. Et puis quand on a regardé, c'était un enfant. J'avais fait cette déclaration. Toi aussi, même partout tu me suis, dès que tu as ce problème. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme tu cherches un enfant, tu es dans le mariage. L'opération de Christ dont on prépare, je change cela en enfant. C'était en 2020 quand j'ai prêché là-bas. Après avoir fini, je suis parti à Kampala. Après, et puis je suis venu ici. Alors, couple-moi qu'on a Canada et Beninga. Alors, étant ici, un couple au Canada m'avait appelé. Couple à frère Hervé et la sœur Mimi. Couple du frère Hervé et la sœur Mimi. Frère Kevin plutôt. Et Dieu le bénisse. Et Dieu le bénisse. Abengi, Babengi, Balobi. Balobi d'abord, on lui dit bisous, des saints. Quand ils m'ont appelé, ils ont dit que nous ne sommes pas de l'Assemblée des saints d'abord. Mais Zamba a obligé de se tourner la matière là. Mais Dieu nous a obligés de suivre tes enseignements. Nous suivons régulièrement tes enseignements, tous tes enseignements. Et moi, je comprenais que Dieu leur avait obligé de rentrer dans l'Assemblée des saints. Ils ont dit que nous suivons tes prédications. Même quand tu avais témoigné cette situation-là, nous avions également les mêmes problèmes. Dans le ventre de la sœur. Et nous avions pris à ton témoignage. Et ça les mine wana que un jour, tant on ne peut pas boire qui opération, ou qui n'est pas médecin. Cela était arrivé également que ma femme avait refusé d'aller voir le médecin pour l'opération. Elle avait refusé l'opération de Christ quand elle avait écouté la parole. Mais tant qu'on a commis 9 mois à Kéi, ici, moi, on a après 9 mois, elle est allée aussi à l'échographie. On lui a dit que c'est l'enfant qui est dans ton ventre. Ils m'ont dit que nous avions vécu ces miracles-là. Voilà pourquoi nous avons appelé. Et c'est pourquoi nous disons que tant que tu déclares ma parole, attends aux hommes aussi, car aux hommes ensemble, la mission à quel temps. Mais c'est pourquoi nous disons que quand nous déclarons des paroles, il faut être prudent, mais que tu sois loin ou de près ici, dans les cultes. Donc attends aux hommes. Même si tu n'es pas ici. À tous les musiciens, nous sommes en habitant na ligne. Et que tu es loin en nous suivant en ligne. Zalaka concentré le lingue moko, ma frère na basse tous les amangoa wa na kilte. Sois concentré de la même manière qu'aux frères et sœurs que nous sommes ensemble avec eux. On a ici en je parle à ceux-là qui me suivent, quand ils sont loin. Dieu, sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Attends aux awad. Même si tu es très loin. Dans moins d'une seconde à Mokoma. Dans moins d'une seconde, la parole de Dieu va t'appeler. Peut agir. Peut être sa agir. De la même manière que ça agit. Avoir agir et pas de Dieu. Dieu agit également aussi là où. Quand on déclare les paroles. Quand nous déclarons la parole. Une seconde, les amis. Une seconde, c'est trop. Dieu va agir déjà. Il faut croire. Il faut qu'on ait ici. Il change. Les choses où elles sont ténébreuses à baisser la lumière. Dieu change les choses ténébreuses en accordant la lumière. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous en avez qui n'a pas compris ce que je dis. On a tout de suite un corps dans le lot à pourquoi par la grâce de Dieu. Là, nous allons nous retrouver encore ce soir par la grâce de Dieu. On a tout continué notre enseignement de l'eau à pourquoi dans 15h30 de Kouta Jésus. Pour continuer notre enseignement. Le soir à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Amen.